Les gens, tu sais, tu peux pas les empêcher de donner leur avis. Donc chacun était là en train de spéculer sur le morpho, en train de dire c'est ça, genre l'autre savait Ouais, mais les pas. gens disent que c'est un clash, en fait, pour résumer le Ouais, truc. les gens disent que c'est un clash, tu vois. Même beaucoup, même après que le morceau soit sorti, Mais hein. même 10 ans plus tard. Mais même maintenant, tu vois. Il y a plein de gens, pour eux, c'est un clash organisé, ce morceau, tu vois. Contre Booba. Voilà, c'est ce que beaucoup ont dit et c'est ce que beaucoup même continuent à dire. Parce que même maintenant, t'en as qui disent ça, ouais, Et c'est toi, par rapport à ça, vrai. est-ce que tu peux clarifier les choses? Je l'ai clarifié déjà avec Booba lui-même, tu vois. Il y a une vidéo que les gens, ils peuvent taper sur Internet, Alibi Booba, ils vont voir, il y a une vidéo, on est tous les deux ensemble et on en parle de ce morceau. Donc dedans, on t'a pas demandé de clasher Booba ou de... Non, tu vois, je l'avais déjà dit à l'époque. Puis à l'époque, moi, je suis arrivé en studio. Voilà, c'est. Je crois en plus, il y avait ton frère quand t'es parti au Ouais, mon studio. frère, il était avec moi, ouais, Alino. exactement. Alino, il était avec moi. Et tu vois, on a fini même le morceau en studio, Voilà, je voulais dire. t'étais la dernière personne à avoir posé ton couplet. Exactement. Et on a fini même là-bas. C'est-à-dire qu'on a écrit, tu vois, on a fini le couplet de 487 le jour même en studio, tu vois. Alino, il était là avec moi, qu'on était en train de l'écrire. Donc c'est pour te dire que. Mais toi, t'avais écouté un peu les couplets des autres personnes ou pas du tout? En arrivant dans le studio même, moi, en fait. En arrivant dans le studio même, voilà, j'ai. Ousni m'avait fait écouter, tu vois. Mais voilà, sans plus, j'ai écouté tout le monde, histoire d'eux, surtout m'imprégner de la. Du thème. Ouais, de l'instru, voilà, tu vois, j'ai écouté plus pour ça, tu vois. Après, je me suis mis à écrire, tu vois. Alino, il était avec moi, hein, ce jour-là, donc, lui aussi m'a donné certaines idées, tu vois, pour le couplet. Puis voilà. Ça s'est passé comme ça, tu vois, sans quelque chose d'organisé.